Ok. Alors si ça c'est pas du move de génie. Je l'ai soulevé, il a fait waouh ce qui m'a mis. Putain, je l'ai buté. Hey, mec, en fait, tu sais que je lui fais des coups de brain à l'allemand depuis tout à l'heure, il comprend rien. Il comprend rien, gros. Yop les tryhards, aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops Cold War. Et aujourd'hui, on se retrouve enfin pour une énorme mise à jour sur le jeu, une mise à jour qui était tant attendue, étant donné que c'est l'énorme patch note concernant l'arme et l'équilibrage concernant le jeu. C'est quelque chose qu'on attendait énormément du jeu, c'était juste insupportable de toujours avoir les mêmes méta sans avoir un équilibre au niveau des armes. C'est vrai que là, en plus avec la LC-10 qui était sortie, il y avait un total déséquilibre avec AKU LC-10, et désormais Treyarch a mis son patch en ligne, et nous avons eu également un nouveau lot de nouveautés. Et d'ailleurs, si t'es toujours pas abonné, abonne-toi mon pote, abonne-toi, ici c'est une chaîne Tryhard, on est là uniquement pour le multi Call of Duty, on est là pour ça, on adore Call of Duty, Call of Duty, bordel de merde. Et également de lâcher un gros pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir si t'as aimé la vidéo, pour le soutien, pour tout ce qu'il faut. Lâche ce gros pouce bleu. Du coup, c'est parti, allons regarder ce joli petit patch note, comme ça vous êtes au courant de toutes les nouveautés. Alors, nous voici donc sur le site officiel de Treyarch, évidemment que je vous remettrai le lien dans la description pour ceux qui sont intéressés. Et donc, nous avons eu pas mal de nouveautés. Alors, je vais pas m'éterniser sur le zombie, sur le mode League, etc. Je vais vraiment m'intéresser en mode multiplayer, et pour ceux qui sont intéressés par du Warzone, il semblerait que demain tout sera mis en place pour Warzone. 50 Go de téléchargement, ça fait quand même beaucoup, mais bon, en vérité, ça fait beaucoup trop. Enfin bref, donc il y a eu une nouvelle map qui s'appelle Miami Strike 6v6 que je vous montrerai après en gameplay, auquel j'ai peut-être réalisé la nucléaire ou non en live sur Twitch. D'ailleurs, je suis tous les jours en live sur Twitch, twitch.tv/loctetetout, là où on tape tous les nucléaires en live, etc., etc. Et en l'occurrence, c'est une partie de Miami qui est tout simplement coupée et qui est en mode jour avec quelques petits rajouts, etc. La map est super dynamique en réalité, mais le seul souci, c'est que je trouve qu'on s'est un peu foutu de notre gueule, en fait. C'est qu'on a repris une énorme map, on a coupé une partie, et on vous dit, tiens, c'est du nouveau contenu. Alors, je trouve ça un peu dommage, en réalité, j'aurais préféré, comme Apocalypse, voir une nouvelle map, un peu dans une nouvelle ambiance, etc. Et là-dessus, c'est vrai que je suis un peu déçu, mais en soi, la map est plutôt assez cool, donc on va pas se plaindre quand on a quand même une map assez sympathique. Ensuite, il y a donc une nouvelle map en 2v2 et en 3v3, pour ceux qui sont fans du mode confrontation qui s'appelle Mansion. Pourquoi pas, après tout, hein, c'est toujours assez intéressant. Et également un nouveau mode qui s'appelle Golova Multiteam, qui est en réalité de nouveau le fameux bon sale, mais un peu en mode hardpoint géant, etc. Je vous avoue que j'ai essayé d'y jouer, j'ai pas trop kiffé, c'est pas trop mon délire, c'est pas mauvais, mais c'est pas trop mon délire, donc je me suis pas éternisé dans ce mode. J'ai fait 5 minutes dessus, puis je me suis barré, puis je suis retourné dans le mode multiplayer. Il y a de nouveau le retour du New Prop Point Map, plus le prop. Donc ça, c'est plutôt pour les personnes qui sont fans du mode fun. C'est vrai que c'est pas trop mon délire. Je joue pas à Call of Duty pour ça. Je joue vraiment pour le côté taper des grosses nucléaires, taper des plus de 100 kills, etc. Même si on peut être un peu fun et tout. Mais c'est vrai que le pro hunt, ça a jamais été réellement mon délire. Mais donc, il semblerait qu'il y ait des nouvelles maps et justement des nouveaux déguisements, en gros. Hein, des nouvelles façons de se cacher. Et donc maintenant, on va pouvoir attaquer le vif du sujet. Ah, les armes. Ça risque d'être important. Alors, il y a donc eu 3 armes fusils d'assaut qui ont été changées. Alors, en réalité, sur la Krieg 6, rien n'a réellement été changé. C'est une histoire, en fait, de bugs, etc., et de petits soucis qu'il y avait. Donc, la Krieg 6, il n'y a rien d'exceptionnel, ça ne sert à rien, c'est exactement la même avant la mise à jour. La FFAR, par contre, a été augmentée, et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, parce que la FFAR était très clairement le pire fusil d'assaut
sur Cold War avant cette mise à jour là, et depuis en fait cette mise à jour, je vais vous montrer également un gameplay auquel j'ai tapé la nucléaire dessus, où l'arme est devenue vraiment très 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 intéressante, voire très très bonne, que je vous recommande fortement de jouer. Et ensuite, la Groza également a été augmentée au niveau de la portée des dégâts de 40%. Alors, je n'ai pas encore monté la Groza au niveau max, je n'ai pas encore les bons accessoires dessus, c'est pas une arme qui m'intéresse lors de sa sortie. J'ai préféré jouer un peu à la Mac et à la K74U tout court, parce que c'est vrai que la Groza était pas vraiment folle, et du coup, bah, je vais réessayer la Groza, puis je vous dirai si prochainement c'est le cas, et si prochainement la Groza est une très bonne arme. Au niveau des mitraillettes, parce que je pense que vous êtes tous au courant que Cold War est énormément basé sur une méta mitraillette, et désormais, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements, et je vais vous expliquer d'ailleurs pourquoi c'est si positif que ça. Alors, la Milano est très clairement, avec la KSP, les deux mitraillettes qui s'en sont sorties incroyablement bien, et on se retrouve donc d'abord pour la Milano, pour le mid-range, c'est-à-dire les combats à mi-distance, les dégâts ont été augmentés de 10%. Ensuite, de nouveau, increase range, damage, range, c'est-à-dire la portée des dégâts. Avant, c'était juste les dégâts pour la moyenne distance. Maintenant, c'est pour la portée des dégâts à mi-distance de 33%. Donc déjà, beaucoup mieux. Très clairement, beaucoup mieux. Ensuite, increase spring out speed. T'as compris que c'est le tir après un sprint. Donc, de 42... Qu'est-ce que je fume, moi 14,2%. Increase race speed by 11%. Donc, de nouveau, encore une super augmentation. Et slightly increase ADS in speed. Donc, peu des choses très, 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 très positives avec la Milano. Au niveau de la KSP, alors, qu'est-ce qui a été augmenté de nouveau? Donc, c'est increase ballistic speed by 32,5%, donc en l'occurrence, la vitesse des balles qui ont été augmentées de 32,5%, et également le délai de chaque rafale a été réduit de 20%. Donc déjà, la KSP, il faut savoir que c'était une des armes les plus puissantes de ce jeu, qui a été carrément bannie de la compétition parce qu'elle balançait non-stop des one-shots, et ils ont décidé, les développeurs de Call of Duty ont décidé de réaugmenter encore l'arme. Ça veut dire que maintenant, on va énormément se retrouver sur une méta KSP à l'heure actuelle sur Cold War. Je trouve que c'est pas forcément une bonne nouvelle concernant la KSP. Je trouve que, certes, le délai de chaque rafale était une très bonne idée, mais la vitesse des balles n'était pas forcément une excellente idée, parce que l'arme, déjà, pouvait one-shot à tout va. Donc là-dessus, je trouve pas que ça soit une très bonne idée, mais peu importe. Au niveau de la K74U, ça a subi deux petits patchs, de nouveau assez sympathiques et ni trop violents, donc justement ça, on va revenir un peu plus tard. Au niveau de la LC10, alors... Certains vont me dire, non mais la LC10, au niveau des stats, elle a été mais massacrée. Alors, ce n'est absolument pas le cas, mais on va quand même en parler. Donc, ils ont descendu la portée de dégâts de 41%. Et là, tu vas dire, non mais what the fuck, c'est complètement n'importe quoi. Et ils ont également descendu un tout petit peu la portée des dégâts de la LC10 à partir de mi-distance. Donc, de nouveau, bonne ou mauvaise nouvelle, on va en reparler. Au niveau de la MAC-10, ils ont décidé de changer le pattern des armes qui était vraiment très vertical et ils ont décidé de le mettre un peu plus horizontal. Alors pourquoi ils ont fait ça? C'est parce que en fait, les joueurs clavier-souris pouvaient beaucoup plus facilement gérer le recul de la MAC-10 quand ça partait en côté un peu vertical. Et le problème, c'est que personne ne jouait à la MAC-10 en fait, à la manette, étant donné que l'arme était totalement horrible en fait, à mi-distance et long fight. Donc les claviers-souris s'en sortaient déjà beaucoup mieux que les joueurs manettes, et ils ont décidé de changer tout simplement cette histoire de trajectoire pour que, tout simplement, on puisse un peu plus souvent jouer avec. C'était vraiment pas une excellente arme, cette arme-là, absolument. La bonne nouvelle, mais malheureusement pas assez, c'est l'histoire des LMG. Donc les LMG, c'est les batteuses Stoner RPD M60 qui ont été réduits en termes de portée de dégâts de 25%. Donc je trouve que c'est d'ailleurs pas assez, sauf pour la M60, je dirais, parce que la M60 a, comment dire, a ce défaut d'être très lourd, très lent, de ce qu'on attend d'une batteuse. En réalité, un maximum de dégâts, pas forcément une excellente cadence de tir, excusez-moi, mais elle fait quand même un maximum de dégâts, et même si tu peux être lent. Et le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, la Stoner et la RPD sont des armes où t'as l'impression que c'est un peu des fusils d'assaut, mais un peu plus lourds, et ça fait trop de dégâts, sincèrement, ça fait beaucoup trop de dégâts, donc j'espère à l'avenir, et si c'est pas dans la semaine à venir, qu'ils descendent un tout petit peu la Stoner, je dirais quand même, quoi, je dirais 10% de dégâts en moins sur la Stoner, et là, on serait quand même sur vraiment un truc beaucoup plus équilibré par rapport à ça.
Ensuite, les snipers, bah, il semblerait qu'ils ont fait un petit patch là-dessus, mais je vous avoue que c'est pas réellement très intéressant comme patch au niveau des snipers. Le 1911 a été un peu augmenté, le Magnum a été nerf, et tant mieux, parce que les Magnum Akimbo sur le jeu, c'était insupportable. Et également, au niveau des launchers, donc des lanceurs, en gros, les bazookas, voilà, les bazookas, ils ont quand même fait quelque chose de très, 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 très intelligent. Ils ont décidé d'augmenter donc les dégâts de tout simplement des roquettes contre les gilets pare-balles. Donc je sais plus, ça s'appelle flak jacket en anglais, mais je m'en souviens plus du tout comment ça s'appelle en français. Et le truc, c'est que avant, en fait, même si tu mettais deux coups de lance-roquette, tu tuais personne en hardcore. Donc c'était plutôt assez problématique, surtout les personnes qui cherchaient le DM ultra. Et donc désormais, il suffit juste, soit tu lui balances un coup de roquette et tu lui en rebalances un et il meurt, ou tout simplement un coup direct et c'est sûr qu'il meurt. Hein. Comme d'habitude, là-dessus, rien ne change. Enfin bref, comme vous avez compris, il y a eu pas mal de choses qui ont été modifiées. Et en l'occurrence, finalement, qu'est-ce qu'on en pense de cette mise à jour? En réalité, il y a beaucoup de choses positives qui sont sorties donc, de cette mise à jour. Primo, c'est que les armes sont devenues beaucoup plus équilibrées. Ça, c'est une réalité. La LC-10, même si elle est toujours aussi bien, elle n'est plus aussi surpuissante qu'avant. Donc imagine, ça c'était les mitraillettes. T'avais la KU ici et t'avais la LC-10 là-haut. Enfin bref, t'as compris, c'était très clairement complètement abusé. La LC-10, elle faisait tout, elle faisait le café, etc. Désormais, ils ont réduit quand même l'arme, ils ont réduit la KU. Et on se retrouve quand même avec les mitraillettes à peu près ici, à peu près, ça dépend, avec la KSP un peu plus au-dessus, etc. Mais plutôt assez équilibré. La même chose avec les fusils d'assaut, avec la FFAR, où on retrouve de nouveau ce même principe-là. Et ce n'est que des choses positives. Ce n'est que des choses positives, je suis très content de ce patch qui a été réalisé sur Cold War, mais malheureusement, on a dû attendre 5 mois pour avoir ce patch-là, lorsque cette chose aurait pu être rectifiée bien avant, la FFR aurait pu être ré-up, la KU aurait pu être un poil plus descendue, la Milano être un peu plus remontée pour essayer d'avoir un équilibre par rapport à tout ça, et c'est vrai qu'attendre 5 mois, ça fait quand même beaucoup. Du coup, je vais vous proposer deux gameplays pour que vous puissiez vraiment bien vous rendre compte que cette mise à jour a changé beaucoup de choses au niveau des armes. Le premier gameplay est donc sur Miami Strike, la nouvelle map qui est donc disponible et qui fait partie tout simplement d'un morceau de Miami auquel nous avons l'habitude de jouer. Tout ça sur un fond de gameplay de LC-10, comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte si oui ou non elle a été nerf. Le deuxième gameplay est un gameplay FFAR, comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte suite au dernier patch qu'il y a eu que l'arme est devenue très intéressante. Avant elle était horrible, et juste avec une petite mise à jour, l'arme est devenue très intéressante à jouer. Enfin bref, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Call of Duty Black Ops Cold War, parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver, et je vous dis bye, et à la prochaine. En gros, c'est une mitraillette qui a beaucoup de qui a une bonne cadence de tir, un excellent recul, et plus énormément de dégâts, donc... Alors effectivement, l'arme reste quand même assez puissante, mais c'est plus comme avant. Ils en ont vraiment fait Razorback de BO3. Enfin, dans le même principe que, d'accord, c'est pas exactement la Razorback de BO3, mais dans le même principe. Avoir pas beaucoup de recul, une bonne cadence, mais pas énormément de dégâts. Par contre, le petit corner là, tu peux même pas jump shot, c'est un peu compliqué. Dieu JB, comment tu vas frérot? Comment tu vas? J'ai l'impression que limite le meilleur endroit pour enchaîner c'est ici, hein. C'est même pas de l'autre côté. Ah, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit quoi avant? Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit quoi avant? J'ai prévenu. Il me faut quelques games. Il me fallait quelques games de chauffe. Ouais, bon, par contre, ça, de nouveau, ça, je comprends pas, quoi. Quelques games de chauffe. Et après, on commence à enchaîner. Quelques games de chauffe, c'est tout ce que j'avais besoin. Ça est 15? Vous croyez que la nuque est possible ou pas? Je pense pas, hein, mais... Je pense que ça va être trop compliqué, là. Putain, l'autre, il s'est retourné! Clavier souris, ça.
Ok. Bouge, 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 bouge. Non, je crois que j'aurai pas le temps. Non, j'aurai pas le temps. Non. 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 C'est bien. On a que des alliés qui veulent faire des kills et ils vont tous terminer en négatif. Si ça, c'est pas beau. Elle est belle, la ville. Ça joue Aug. Et ça tient des belles lignes. Hein, bah, il me ferait ça. Il est en train de péter un plomb. Vous voulez vraiment que je sors la LC10 bande de tocards? Ah, ouais, je l'ai soulevé là. Bon, les frères, vous voulez pas arrêter de camper au spawn? C'est comment? Oh là là. Je l'ai sous-sous, il a pas aimé l'allemand. Non mais l'allemand il pète des plombs à chaque fois que tu le tues. Hein. Mais ils ont nerf le pont, pourquoi je lâche énormément de hits? Où sont les gens là en fait? Là c'est ça ma question. Entre A et B. Oula oula. On va se calmer monsieur. Hein. Il y en a un autre au spawn. Hein. Qu'est-ce qu'ils sont nuls? Mon dieu, we are in trouble. Il doit être piscine, je pense. Il y en a un qui était terrain de basket, ça va être encore le cas. Il y en a un autre terrain de basket. Ouais. Ah bah attends, je vais aller le puer. Tu l'as? Oh, il m'a tué, bah oui, je le tue, mais il y a l'autre qui est de l'autre côté, j'ai la machine de mort. J'étais en 9-0, mais sinon tout va bien, c'est pas grave, tout va bien. Sur B. Il est nul à chier l'allemand, elle est crève. Tu m'as pas tué à travers, ça va? Mais quoi? Mais ça va, attends. C'est... Gros. Alors là, ce que je leur ai mis, mec, c'est. Non, mais il faut que je te montre à quel point ce jeu n'a aucun sens, hein, vraiment. Hein. Faut vraiment que je te montre ça, gros. Ça va te faire rire, ça va te faire marrer, tu verras. Bon, tu fais trop l'ancien avec moi, LC10. Allez, c'est bon. On va voir c'est comment maintenant. L'autre, il a cru qu'on était potes là. Que tu es. Je suis mort. Tiens. Bien joué. Oh, hit mark, hein, pour changer. Allez hop, dégage. Il rage pas trop l'allemand là, je suis un peu déçu là. Ouais, dommage. Je m'attendais à la Deutsche Qualita au niveau audio, mais là. Dégage. 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 On prend le point C. Putain, je l'ai buté. Hey, mec, en fait, tu sais que je lui fais des coups de brain à l'allemand depuis tout à l'heure, il comprend rien. Hein.
Il comprend rien, gros. Il me reste 69 balles, je peux faire une dinguerie avec ça. Ouais, ça commence à être un peu. Ça commence à être accrit. En face. Sûr et certain qu'il y en a en face. Mais lui, en fait, il joue toute sa life, hein, vraiment. Ah non, mais moi, je suis dans une merde incroyable, hein. Je te dis tout de suite, hein, j'attends un peu. Hein. Je vais essayer de te push ça, te donner des trucs. Y'en a un. Il est mort. Tiens. Oh non, regarde là. Oh, aïe, erreur des débutants, gros. Ah, c'est pas grave, t'inquiète. Oh, sorry, bro. De la merde. Oh putain, ils sont. T'inquiète, ils sont plus beaucoup. Viens. Plus à l'aise, quoi. Tu vois. T'es plus à l'aise avec. Ouais, je suis beaucoup plus à l'aise. Alors que pourtant, bah, c'est moins OP, je pense, mais. Oh, y'avait un mec derrière toi, tu feras attention, mais c'est pas grave, vas-y. Gros, depuis tout à l'heure, il faut que je balance des énormes coups de brain pour choper. Oh tout là monde. Là, c'est des putains de fantômes, j'en peux plus. J'étais en série de ouf. Oh. Un vu. Allez. Bon, attends, on va prendre la petite machine de mort, frérot. Machine de guerre. Ouais, j'ai trop du mal. Hein. Non, pour moi, je disais en fait. Moi, j'ai... c'est juste pour toi, machine de mort. Tu vas où, toi? Ouais, bah frérot, crois-moi, je suis beaucoup plus à l'aise. Hein. Crois-moi, gros. Bah, tant mieux. Il est derrière en train de camper. Mais oui, c'est le même. Oh là là. Ils sont tous au fond du spawn, là. Je sais pas du tout où ils sont. J'attends qu'ils sortent un peu là, de ces... Il y a A ici, frère. What the fuck. Ouais, mais de toute façon, je bouge pas. Hein. Tiens, de toute façon, regarde. Allez, maintenant, tu sais où ils sont. Voilà. Et merci pour la nucléaire. Let's go. Et merci. Contre des mines of res. Ah, contre du tryhard allemand. Ah oui. Ah mine of res. Je l'entends mais gros, plus. Mais lui, c'est encore le même, frérot. Il est dans sa petite fenêtre, gros, sur le mid. Mais c'est trop. Oh, bordel de merde. Ouh là là. C'est... Ils sont... Wurst, il est pas content, là. Hein. Qu'est-ce que t'as cru, toi? Mais t'as cru quoi? Ouais, mais ça va, tu m'as pas mis deux balles, hein. Ça va. Ça dégage. Avec nous, ça cherche le kill, mais ils sont tous en négatif. Non mais je t'explique en fait, j'ai 10 fois ton talent. J'ai push les spawns. Ouais, t'inquiète. Oh, je les ai violentés hein, sur la fin.